Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Dolas Play Company, j'espère que vous allez bien, voilà. Alors voilà ce qui est chiant avec ces albums-là, c'est qu'il y a un reflet dégueulasse, donc vous voyez le dos du truc. Donc évidemment, bah là je peux pas me mettre derrière l'album parce que sinon vous allez voir ma tête. Et moi, comme vous le savez, bah, je monte pas la mienne, voilà, je fais une règlement, comme je dis, voilà. Bon, des fois vous voyez des petits bouts passer parce qu'évidemment c'est pas topissime, hein, voilà, mais vous inquiétez pas. Moi je peux dire que vers le mois d'octobre et novembre, les vidéos seront beaucoup mieux, il y aura une meilleure qualité. Je vous montrerai peut-être mon visage, je sais pas, je verrai. Mais il y aura déjà, pour ce qui est du niveau, il y aura du montage, il y aura plein de nouveaux trucs. Donc je vous dis, fin septembre et octobre-novembre, après qui suivra, les vidéos seront beaucoup mieux. Voilà, il y aura du montage, etc. Mais pour l'instant, on n'est pas sur du montage. Voilà, on reste toujours sur le rythme des vidéos habituelles, voilà. Donc, comme vous le savez, bah, je vous ai sorti la vidéo sur Luigi de Luigi PK lundi. Voilà, elle a marché donc c'est parfait. Et je vais vous sortir la vidéo sur Lorenzo rien à branler, comment dire, hier. Mais j'ai pas eu le temps donc je vous la sors aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas eu de vidéo mardi parce que sinon ça allait faire une vidéo tous les jours et j'avais pas trop envie de faire ça parce que vu que. Bah, il n'y a pas eu de vidéo mardi et mercredi donc ça fait une petite pause. Et là parce que ça va charbonner, hein, c'est les 2 jours qui vont arriver là. Parce qu'aujourd'hui vous avez cette vidéo sur Lorenzo, demain vous avez la vidéo sur Davzy Architect, et samedi vous avez la vidéo où je donne mon avis sur qui est ça. Donc là ça va charbonner, c'est pour ça. Donc je pense que la semaine prochaine, il y aura une vidéo mercredi et jeudi. Voilà. Comme je dis dans mes stories Instagram, mercredi il y aura une petite vidéo où je vous donne mon avis sur un artiste, je verrai lesquels, je vous dirai sur Instagram. Et jeudi, il y aura une vidéo où je vous parle de mes freestyle bouscapés préférés. Voilà. Je vous dis pas de date pour les sorties de vidéos exactement, mais moi je pense que les vidéos vont sortir mercredi et jeudi. Voilà. J'en sortirai pas 4 comme cette semaine parce que ça a bien charbonné déjà, je pense. Là, donc après, il y aura trop de contenu, ça va peut-être vous saouler. Donc, je sortirai donc lié à la vidéo aujourd'hui, demain et samedi. Et après, les vidéos reprendront donc mercredi pour la vidéo sur un artiste, je vous tiendrai au courant lequel. Et jeudi, la vidéo sur mes freestyle bouscapés préférés. Voilà. Mais aujourd'hui, on va pas parler de. Des freestyle bouscapés ou quoi que ce soit. On va parler de l'album de Lorenzo, rien à branler. Voilà, son deuxième album, sorti le 23 février 2018, qui comporte 14 titres et qui fait 41 minutes et 44 secondes d'écoute. Voilà. Moi donc Lorenzo, bah, c'est un album que j'ai beaucoup aimé. Voilà, faut savoir que je crois, si tu pas de bêtises, il a sorti 3 projets. Donc il a d'abord sorti Empereur du Sale, rien à branler et Sex in the City. C'est un de mes projets préférés avec Sex in the City qui pour moi son meilleur album, clairement, voilà, il est incroyable, Sex in the City. Mais celui-là aussi est vraiment vachement bien. Mais c'est pas mon préféré, c'est pas un de mes gros coups de cœur 2019 ou 2018. Je vous dirai pourquoi en vous montrant la tracklist. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur Lorenzo? Oui, alors pourquoi j'ai décidé de vous faire une vidéo sur Lorenzo, rien à branler? Parce qu'il y a pas longtemps, quand j'étais dans ma période où j'écoutais beaucoup Luigi PK, je vois qu'il a fait un feat avec Faudacé et Lorenzo sur l'album de Lorenzo, rien à branler, ce genre, voilà. Donc j'écoute le titre que je connaissais pas, j'aime beaucoup, voilà, voilou. Et après je me dis, tiens, vu que le rien à branler est quand même vachement bien, ce serait pas mal de faire une vidéo dessus, voilà. Donc il y aura peut-être une vidéo sur Empereur du Sale un jour, je sais pas, je verrai, parce qu'il y aura déjà eu, comme ça on complétera la trilogie, comment dire, la trilogie Lorenzo, voilà. Et après il y aura la trilogie Vald, évidemment. On a déjà fait la trilogie Nekfeu, on va faire la Lorenzo, la Vald, etc. On verra tout ça, je vous en parlerai. Et je me suis dit, ah bah allez, go faire une vidéo sur Lorenzo, rien à branler. Et hier soir, vu que bah, j'avais pas grand chose à faire, mais c'était quand même assez tard, donc je n'ai pas fait la vidéo. Et bah je me suis dit, tiens, vu que je suis sur la vidéo demain, je vais réécouter l'album parce que ça faisait quand même longtemps que je l'avais pas écouté. Je dois l'écouter. Voilà, je kiffe ma vie et tout, je fais ok, c'est bon, j'ai mes sujets, les titres que j'ai bien aimés, que j'ai le moins bien aimés. Alors, ça va être dur parce que je pense que niveau son tous. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais faire écouter un son où il est tout seul et un son où est-ce qu'il est en feat. Pour ce qui est du niveau du son, excusez-moi, où est-ce qu'il est tout seul, je pense que j'ai trouvé, voilà. Par contre, pour ce qui est du niveau feat, j'ai beaucoup hésité entre 2 morceaux. Parce que le morceau avec de ce genre avec Luigi PK, il est bien, mais les 2 autres feats sont vraiment incroyables. Donc, bah, je vous montrerai avec la tracklist, voilà. Donc, sur la pochette, on peut voir Lorenzo, voilà, avec son bob flouté, voilà, parce que sur la pochette du premier album, il y a écrit « J'ai pas les droits pour le bob MDR », et ben là, c'est pareil, on peut encore se dire qu'il a pas les droits, voilà, donc il est... Et on voit le, comment dire, le bob flouté, donc Game Boy Color, évidemment, avec le Pikachu à côté. On voit ses petites lunettes, voilà, et on peut distinguer qu'est-ce qu'une sorte de fauteuil ou un canapé, donc on peut en fait se dire qu'il est dans un allongé sur un canapé ou assis même sur un canapé ou un fauteuil, donc il en a bah, rien à branler quoi. Vu qu'il est assis, il faut rien, il en a rien à branler, voilà, c'est ça.
Bah en fait je trouve que la pochette elle décrit bien le nom de l'album et je la trouve je trouve que c'est en fait moi Lorenzo c'est un artiste qui me fait beaucoup rire et je trouve que là la pochette avec le titre bah ça sent bien donc pochette très belle. Bon après elle est pas exceptionnelle hein, mais elle est pas mal. Voilà. Donc voici voilà pour ce qui est de la pochette. Je vais maintenant vous montrer la trappe. Je vais maintenant attendez. Je vois bien qu'elle est de la tracklist. Voilà magnifique. Alors donc dans le dos de l'album en fait on peut voir donc ce n'est pas un fauteuil mais un canapé et on voit qu'il est allongé avec un raton laveur. C'est excellent, voilà, moi ça me fait beaucoup rire. Et en fait ça me fait penser un peu à Inspecteur Gadget. Je sais pas si vous avez la ref, bah en fait le méchant on voit jamais sa tête et il est tout le temps assis sur sa chaise en train de caresser son chat. Et bah là c'est un peu pareil. Je sais pas s'il a voulu faire une ref ou c'est juste un truc comme ça, mais voilà. Alors, donc, la tracklist. Alors, je la sors. Donc c'est parti. Le premier titre, c'est Les ovnis, qui est incroyable. Le deuxième titre, c'est Carton rouge. Le troisième titre, c'est Champagne et Pétou avec Charles Vicomte, qui est incroyable aussi. Le quatrième titre, c'est Tu le sais. Le cinquième titre, c'est Faudrait. Le sixième titre, c'est Bizarre avec Vald. Le septième titre, c'est Business. Le huitième titre, c'est Ouais mon gars. Le neuvième titre, c'est Ce genre avec Luigi Pekka et Faudacé, membre du groupe Columbine. Le dixième titre, c'est Leçon qui fait plaise. Le onzième titre, c'est Sucer là, voilà. Le 12e titre, c'est Bouteille d'eau. Le 13e titre, c'est Fume à fond, que vous devez sûrement tous connaître. Et le 14e titre, c'est Rien à branler. Voilà. Donc, album très court, évidemment, mais très efficace. Hein. Est-ce que Sex in the City est plus long? Oui, il fait 51. Bon, c'est 9 minutes de plus, mais ça fait quand même la diff. Donc, voilà pour ce qui est de la tracklist. Donc, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup hésité, mais moi je pense que les deux titres que je vais écouter, c'est d'abord Business, voilà. Parce que quand je l'ai réécouté, je sens, j'ai fait, ah ouais, il est vraiment, vraiment bien ce son. Il est vraiment lourd. J'aime beaucoup l'ambiance et tout. Je trouve que ça change des sons un peu où c'est le bordel, comme par exemple Nick Laback. C'est un son vraiment extrêmement calme, donc mais vraiment incroyable ce morceau Business que je ferai compter Jonk juste après. Le clip est disponible d'ailleurs. Alors voilà, pour ce qui est des feats, j'ai beaucoup hésité entre Champagne et Pétou et Bizarre, voilà, parce que ce genre je l'aime bien, mais les deux feats avec Vicomte et Val ils sont incroyables. Alors Champagne et Pétou, je l'ai réécouté, elle est vraiment bien, mais Bizarre elle est vraiment, vraiment beaucoup trop bien. Je crois que c'est un des sons qui m'a fait vraiment aimer Lorenzo. Donc je vous ferai écouter tout simplement Business et Bizarre avec Vald. Voilà. Donc à mon avis, vous avez tous sûrement écouté Business avec Bizarre avec Vald, excusez-moi. Mais moi j'ai quand même envie de vous le faire écouter parce que ce morceau il est juste incroyable. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la tracklist. Maintenant je vais vous montrer l'intérieur du CD. Et après je vous donne mon avis sur ce magnifique album. Alors, donc je vais peut-être pouvoir me rapprocher. Oui voilà. Donc quand je vous ferai écouter les sons, je vous montrerai ça. Et donc voilà, c'est Lorenzo avec son raton laveur au grec en train de manger. Et maintenant je vous montre le CD. Est-ce que vous avez un reflet dégueulasse ou ça va? Non, ça va. Donc là il y a le CD. En fait, ce qui est magnifique avec ce CD, c'est qu'il y a, on dirait que vraiment c'est, vous savez les vieux CD cryptés dégueulasses là. Il écrit vraiment Lorenzo, rien à branler. En fait, au stabilo noir. Donc ça montre vraiment bah, quoi qu'il en a, il en a rien à branler quoi. L'album il s'en occupe même pas. Il fait juste son truc là. Je trouve, et ça me fait, en fait, ça me fait beaucoup rire parce que ça montre vraiment qu'il en a rien à branler. Alors, je vais vous faire maintenant un petit zoom, toc toc avec mon magnifique. Attendez, tac, voilà. Alors, attendez, je vais quand même faire toc toc toc. Attendez, c'est bon, magnifique. Voilà. Est-ce que c'est... Non, c'est pas. Attendez, peut-être décaler un peu. C'est parfait. Attendez, parce que vous savez que j'aime bien vous faire les bons trucs. Attendez, c'est bon, parfait. Ouais. Alors, moi, je vais être franc avec vous. Cet album, je l'ai bien aimé. Mais c'est pas un de mes gros, gros, gros coups de cœur. Je vous explique pourquoi. Pour moi, tout le début de l'album, il est juste incroyable de chez incroyable. C'est-à-dire que du titre Les OVNIs au titre Ce genre, l'album, il est incroyable. C'est-à-dire que donc, il y a Les OVNIs, Carton rouge, Champagne et Pitou, Tu le sais, Faudrait, Bizarre, Business, Ouais mon gars, et Ce genre. C'est-à-dire que les 9 premiers titres, ils sont incroyables de chez incroyable. Donc j'ai dit de les ovnis à ce genre. 10, 11, 12, 13, 14. Et pour moi, du titre Leçon qui fait plaise à rien à branler, l'album, pour moi, il est vraiment pas ouf. Je trouve déjà que c'est un peu trop vulgaire. Voilà, c'est vraiment... Après, c'est du Lorenzo, voilà, ça va pas être... oui, je fais des bisous bisounours. Mais je trouve, je trouve vraiment que c'est vraiment un peu vulgaire. Surtout, bah, le son, Sucer là, hein, voilà. Bah, déjà, rien que le nom, on se dit déjà, voilà.
Ça peut faire rire certains, mais moi je trouve que c'est pas. Après, pour moi, Lorenzo, c'est pas vraiment un rappeur à titre certifié. Voilà, pour moi, c'est un peu. Pour moi, sa musique, c'est un peu genre, il se moque du rap, quoi. Mais après, vraiment, ce qu'il fait, c'est efficace, hein. Vraiment, bah, je vous ai dit, hein. Business, bizarre, etc. Même dans Sex in the City, c'est incroyable ce qu'il fait, hein. Mais je trouve que c'est un peu parodique. Des fois, on peut dire, ouais, il parodie le rap et tout. Mais en fait, dans son truc, il est sérieux. Et là, j'ai été déçu. Parce qu'à partir du son, le son qui fait plaisir, jusqu'à rien à branler, l'album, il devient moins ouf. Les 9 premiers titres, ça charbonne, les feats sont incroyables, les morceaux en solo, ils carburent. Et là, à partir du son, le son qui fait plaise, je trouve que c'est moins efficace, les sons sont pas terribles, c'est que des sons solo, les 5 derniers sons. Donc vraiment, j'ai été déçu. Mais après, l'album, il reste quand même très très bien. Donc moi, je mettrais la note de 9,99. Ça reste un album très propre, un peu rap, un peu pop, un peu R&B, des morceaux calmes comme Business, voilà. Vraiment, j'ai beaucoup aimé les trucs avec les bacs derrière, genre les comme dans le premier titre, les ovnis, voilà, c'est incroyable ce morceau aussi. Mais vraiment, donc, les 9 premiers titres sont vraiment bien, mais après, je trouve que ça baisse un peu, c'est vraiment moins ouf. Donc, je vous avoue que j'ai été un peu déçu, mais vraiment, après, vu que les 9 premiers titres, ils ont charbonné, bah, après, je me suis dit, bah, je m'en fous, il restait que 5 titres, et bah, pas grave, vu que les 9 premiers titres ont charbonné. Donc, je fais quand même un gros big up à Lorenzo et un grand bravo à lui parce qu'il a fait un album quand même qui est vraiment très très bien, même si mon préféré reste Sex in the City. Voilà. Bah moi, mais dans cet album, il n'y a pas mes morceaux préférés de Lorenzo. Moi, mes morceaux préférés de Lorenzo, ils sont dans Sex in the City. Et donc peut-être que quand je vous donnerai mon avis sur le rappeur, quand je vous donnerai mon avis peut-être sur Lorenzo tout court, je ferai peut-être écouter mes titres préférés. Je verrai. Voilà. Donc, ah bah c'est parti pour les écoutes. Alors attendez, 3, 4, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que je vais d'abord vous faire écouter Business parce que c'est un morceau très calme et à mon avis à la fin on va balancer la sauce avec Business. Avec Bizarre, pardon. Vu que c'est Business et Bizarre. Je confonds comme jamais. Et je vous jure, tout à l'heure j'ai essayé, j'ai bégayé comme jamais. Ah, je suis mort de rire tout seul, putain. Furie de sa mère. Donc, je vais d'abord vous faire écouter le morceau Business et ensuite le morceau Bizarre, pas Business avec Vald. D'ailleurs, les deux morceaux sont clippés. Voilà, donc vous pourrez aller les voir. Donc, ah non, faut que je sorte le CD, je suis honk. Alors. Ah oui, bah je vous. Après, je vous ferai écouter évidemment le Gold. Et alors, le Gold, cette fois-ci, va changer. Ça sera pas un truc US, je vous dirai juste après. Et bah pareil, pour mon son du moment, bah ça sera comme d'hab, bah, un truc que je vous fais écouter. Hein. Bah voilà, putain, oh là là, je dis que de la merde dans cette vidéo. Alors attendez, parce que du coup j'ai défait mon zoom de la beauté de la moitié de la Casa de Papel. C'est bon. Alors, donc j'ai rentré le CD. Zwali. Ah d'ailleurs, aussi avant de vous dire, avant de vous faire écouter les morceaux, j'ai écouté hier en entier l'album de Soul King Vintage et j'ai été extrêmement surpris parce que comme moi j'avais que écouté bah, Mêlée Rimes avec Dadju, ça fait des années avec Cheb Mami et Marine avec SH, bah, je crois que comme tout le monde, hein, parce qu'il avait pensé que c'était extrait. Et j'ai trouvé l'album, mais quand je vous dis incroyable, c'est incroyable, il fait partie de mes coups de cœur de la vie, hein, avec Angèle et Kikessa. Vraiment, j'ai vraiment adoré cet album, donc je vous ferai une vidéo dessus très très vite. Voilà, c'était juste pour vous dire. Donc c'est parti, le premier morceau que je ferai écouter, c'est Business. C'est parti, bonne écoute, c'est ça ou pas? C'est bon, c'est ça. Je vais le remettre. C'est parti, Business, bonne écoute. Les rêves sont durs à réaliser, je m'en fous, je suis insomniaque. Je sais pas quelle mouche m'a piqué, je désinfecte à l'ammoniaque. On dit que je suis infréquentable, ouais, j'en scratch, je suis adorable. On fera des vacances à la mer juste pour faire l'amour sur le sable. Ouais, ton dealer est trop rush et son filon dur comme la roche. Après, shampoing dans les vaches parce qu'on vend moins quand on est moche. Les Yankees agitent la cloche, je connais quartier comme ma poche. Et tard le soir dans un coin sombre, ça cuit les rages à la proche. Je sais pas où je vais finir, sûrement pas dans les écrits. Plutôt tatoué sur sa cuisse, je suis déjà banni du paradis. Ouais, c'est le bordel dans ma chambre et sous le couvre-chef. Je me tromperai peut-être de route s'il y a à quoi dans la caisse. Je suis dans le biz, tout pour le business. Beaucoup de requins tournent autour de mon business. On fait des sous tranquillou en fumant dans mon business. Tout est calibré, carré, préparé pour le business. Je suis dans le biz, tout pour le business. Beaucoup de requins tournent autour de mon business. On fait des sous tranquillou en fumant dans mon business. Tout est calibré, carré, préparé pour le business. Tous les produits c'est du pareil au pire. Je suis al dente et joue les durs à cuire. Je contourne la douane en voilier, j'ai le vent dans les cheveux.
téléphone. Elle voudrait que je décroche la lune. Je sais pas si je suis bien à ses stones. J'enroule un dernier pour en être sûr. La poche est secrète dans la valise. Comme le bon vieux Denis, j'ai la malice. Silence, ça pousse derrière l'église. Que cette putain de ganja vous bénisse. Tout pour le business, yeah, yeah, yeah. Beaucoup de requins tournent autour de mon business, yeah, yeah. On fait des sous tranquillou en fumant dans mon business, yeah, yeah. Tout est calibré, carré, préparé pour le business, yeah, yeah, yeah. Je suis dans le biz, tout pour le business, yeah, yeah, yeah. Beaucoup de requins tournent autour de mon business, yeah, yeah. On fait des sous tranquillou en fumant dans mon business, yeah, yeah. Tout est calibré, carré, préparé pour le business, yeah, 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 yeah. Dans la mine, les yeux qui piquent, les girons qui scintillent. Voilà, c'était Business de Lorenzo, que je vous, j'espère que ça vous a plu. J'ai bégayé comme jamais, je suis désolé. Donc vous voyez, c'est un morceau vraiment un peu plus calme, mais moi la prod et le morceau, bref, j'adore tout dans ce morceau. C'est un de mes morceaux préférés de Lorenzo, c'est mon morceau préféré de l'album de Rien à branler avec Bizarre, Champagne et Pétou. Mais le premier morceau que j'ai le plus kiffé, c'est celui-là, voilà. Donc maintenant on va passer à un morceau qui balance plus, qui balance de la sauce quoi. C'est donc le morceau Bizarre avec Vald. Donc c'est vraiment qui est incroyable aussi. Donc c'est parti, Bizarre avec Vald. Ah oui, et juste un moment, je vais vous dire un truc. J'adore la première punchline du business quand il dit « Les rêves sont durs à réaliser, je m'en fous, je suis insomniaque. » Cette phrase, c'est du pur et dur Lorenzo, c'est incroyable. Incroyable mec, comme dit SH. Donc c'est parti, le morceau Bizarre avec Vald. Bonne écoute. Alors donc, du coup vraiment c'est le troll rap, ouais. Une nouvelle génération qui émerge jeunesse. C'est ça. Loin des clichés de la banlieue. Exactement. Mais ce qu'on cherche surtout c'est faire du rap conscient ma mène. Avec VRLD on fait le truc en coop. T'as tiré de ta fête et déjà capouche. Je suis le coq de la femme qui attire toutes les cocottes. Demande pas si ça va, demande-moi si ça roule. Petit accent français lyrique, elle me trouve cute. Je fais germer des graines pour la cannabis cup. J'aime bien l'odeur, dis-moi combien ça coûte. Avec vos sœurs ça c'est sûr j'ai la cote. Whisky coca sans coca. Par bien où je vais te poker. De meuf par jour ouais c'est le quota. Le respect c'est pas la porte à côté. L'air du calumet me donne des visions. Je me tire dans les trains, j'ai bientôt mon visa. Y'a que des bouffes qui pas la télévision. Je veux que mon portrait en plein dessus de Mona Lisa. Dans mon gobelet, verse la liche. Pas de mac, on fera de la lèche. Trop beau potin, c'est de biche. Touche le fond et je creuse la brèche. Je vends des tomates sur les véganes. Je me mini bar dans la wagon. Y'a que j'ai un flash de pédale. Fume tes doigts, y'aura pas de P2. Wow. Verse la liche. Oh là là, dans mon gobelet, verse la liche. Elle dit non. Oh là là, j'ai trop bu, elle me dit non. Elle me trouve satanique et trop mignon. Ça couche dès le premier soir, elle a les dents. Pourquoi tout le monde regarde bizarre? Je sors que pour faire des bêtises. Je mange des binettes derrière le grillage. Ça fait bizarre, pas trop bizarre. Je roule un pollen de bulles bizarres. S'ouvre aux athées en baptisant. Pas de Lorenzo, c'est trop bizarre. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Suspect TN, mange TBN, violent comme des BZ. Faire comme des époques, la Marie, même la Madeleine, pas la LNE. Pas la LN, tu fous la haine comme bande FM. Ou le FNK va de chaîne sur le BZN. Je propage le virus et je vends le vaccin, je suis machiavélique. Je regarde des vidéos de complotistes. Regarde pas le satellite. Dans nos cœurs la beauté du créateur et la légende de l'Amérique. Même quand je suis mort je suis prêt à tout baiser. Raideur cadavérique. Je suis préparé pour la balade, okay. Dans la gourde une potion garage, okay. Liquefaction dans les parages, okay. Verre retardé chez la parade, okay. Tous sous caution sans être malade, okay. 9 mètres carrés devient palace, okay. Chante plus mes couilles, chante plus ma face, okay. Ferme ta chatte là tu m'agaces. Et mon regard bizarre. Oh non je suis tricard. Je plais à mamacita parce que je suis bizarre. Bizarre d'être bizarre. Aux yeux de ces trimards, sont-ils traumatisés? Bizarre. Pourquoi tout le monde regarde bizarre? Je sors que pour faire des bêtises. Je mange des binettes derrière le grillage. Ça fait bizarre, pas trop bizarre.
sera nous le rap conscient. Wow. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Wow. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Wow. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Voilà, c'était Bizarre de Lorenzo et Val, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Donc maintenant, on va passer à mes titres du moment. Ah, attendez, juste je vais vérifier un truc. Et c'est bon, c'est parfait. Alors, donc, je fais tac, tac, touche, tac, touche. Est-ce que je vous laisse le fond? Je réfléchis. Ah, vous savez quoi, au pire, je peux vous mettre le fond d'âme. Ah, bah, c'est je vous espère. Je suis vraiment... Ah, je m'énerve moi-même, c'est un truc de ouf. Bon, comme vous l'aurez deviné, mon titre du moment, c'est un titre de Hamza, voilà. J'ai beaucoup hésité parce qu'il y a beaucoup de titres d'Hamza que j'écoute en ce moment. Mais déjà, dédicace à un de mes meilleurs amis qui adore ce morceau. Voilà, il va te reconnaître si tu regardes la vidéo. Et le morceau s'appelle Life, voilà. Donc bah, je vais vous faire écouter parce qu'il est juste incroyable ce morceau. Ah oui, d'ailleurs, bah, j'espère que cette petite vidéo sur Lorenzo vous aura plu, voilà. Donc maintenant, on va passer... Alors, attendez, je vais juste sortir Santa Sauce 2. D'ailleurs, vidéo sur Santa Sauce 2 qui est disponible sur la chaîne, évidemment, n'hésitez pas à aller la voir. C'est Carré dans l'Axe. Alors, attendez, bah, vu que j'ai Hamza sur moi, autant faire un petit zoom sur Hamza, hein, ça fait plaisir. Hein. Voilà, bah, voilà. Bon, c'est pas, il n'est pas dans Santa Sauce 2, mais c'est pas grave, hein, voilà, c'est les jeux du direct. Voilà, alors attendez. Attendez, je vais faire ça, voilà. Donc, c'est dans l'album 1994 et c'est le titre Life. Voilà. Alors, attendez, juste, je vais vous connecter le Bluetooth. Le Bluetooth, j'aime bien dire ça. Le Bluetooth, alors Bluetooth, est-ce que tu te connectes mon fleuve? Attendez, parce que là, du coup, ça il est en recherche. C'est bon, vous entendez le petit truc là satisfaisant? Ok, donc oula, est-ce que normalement ça marche? C'est parti, attendez, je regarde. Ok, c'est bon, c'est parti, ça marche. Donc, Life de Hamza, bonne écoute. J'ai belle adieu quand j'ai besoin de life. J'aimerais plus de temps pour savoir ce qui m'intoxique. J'ai un truc qui sont sûrement pas prêts de vivre. On me disait tu seras jamais, 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 jamais riche. Hors de moi, je suis souvent prêt à faire le pire. Just woke up sur un terrain de golf avec ma nouvelle bitch. Just woke up dans une nouvelle Benz avec un nouveau spliff. On me disait tu seras jamais, 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 jamais riche. Hors de moi, je suis souvent prêt à faire le pire. Je sais que ça te fait du mal. Tomber du ciel si c'était pas comme tomber sous ton charme. Tu sais qu'ils veulent voir mon sang couler comme tes dernières larmes. Avant que ma monnaie crame, avant qu'ils prennent mon âme. Oh, oh, oh. Peine les coups. Tu sais que c'est rare, je voudrais que j'ai rien mais j'ai tout. Si c'est pour être comme vous, je préfère rester fou. Oh, 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 oh. Que la mif. Whisky autant âgé que ma mif. Just motherfucking woke up dans un deep avec ta bitch. J'vendrai pas mon âme juste pour un tout petit peu de bif. Qui tiendra ma main le jour où j'tomberai dans le vide. Je faisais partie de ces gens enfermés juste avant que je craille. Je faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise bye bye. J'mise à l'aise avec toutes sortes de drogues quand j'ai besoin de fly. J'me console chez Bellagio quand j'ai besoin de life. J'aimerais plus de temps pour savoir ce qui m'intoxique. J'ai un truc qui sont sûrement pas prêts de vivre. On me disait tu seras jamais, 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 jamais riche. Hors de moi, j'suis souvent prêt à faire le pire. Just woke up sur un terrain de golf avec ma nouvelle bitch. Just woke up dans une nouvelle Benz avec un nouveau spliff. On me disait tu seras jamais, 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 jamais riche. Hors de moi, j'suis souvent prêt à faire le pire. Une fois Chandler ou bien Kylie Minogue. J'souhaite mal meilleur sinon crève ma fort. J'sais qu'elle va tout se faire bizarrement. J'suis le plus fort et c'est jugé à tort. Souviens-toi dans le bloc, prendre ce cash dans le stock. Juste moi et mon gang dans le top.
fucking minute, je vais le baiser maintenant. Dis-moi pourquoi tu veux m'aimer maintenant. Pour les briser, je suis en féfé devant. Elle croit que je vais lui faire un bébé maintenant. Tu sais d'où je viens, je veux pas baiser mon froc. C'est mal meilleur ou bien crève ma fuck. Oh non, je faisais partie de ces gens infâmes juste avant que je craille. Je faisais partie de son cœur avant qu'elle me dise bye bye. Je m'isole avec toutes sortes de drogues quand j'ai besoin de fly. Je me console chez Bellagio quand j'ai besoin de life. J'aimerais plus de temps pour savoir ce qui m'intoxique. J'ai un truc qui sont sûrement pas prêts de vivre. On me disait tu seras jamais, 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 jamais riche. Pardonne-moi, je suis souvent prêt à faire le pire. Je smoke up sur un terrain de golf avec ma nouvelle bitch. Je smoke up dans une nouvelle Benz avec un nouveau spliff. On me disait tu seras jamais, 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 jamais riche. Pardonne-moi, je suis souvent prêt à faire le pire. Voilà, c'était Life de Hamza, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, c'est un de mes morceaux c'est un morceau de Hamza que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors voilà, donc je tenais à vous le faire écouter. Donc maintenant, on va passer au gold de la vidéo. Attendez, parce que vu qu'il est enfoui dans les poussières ténébreuses de mes CD. Alors attendez, je remets bien parce que vous savez que je suis très maniaque avec mes CD. Voilà, donc c'était Live de Hamza. Le clip est disponible et il est disponible dans l'album 1994. Voilà. Alors, donc je vais tout de suite, attendez, vous faire le petit zoom, voilà. Vous ne savez sûrement pas qui est cet homme, mais je vais tout de suite vous dire qui c'est. Oh putain, la pire présentation de vidéo. Voilà, et c'est donc le rappeur français Passy, voilà. Aujourd'hui j'ai pas envie de vous faire écouter d'américain. Il y en aura jeudi, vendredi, vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous faire écouter un rappeur français. Voilà, c'est un peu un rappeur dont j'ai écouté l'album il y a pas longtemps, qui s'appelle Les Tentations. Voilà, ça remonte quand même hein, ça fait longtemps que... Attendez, je vais tout de suite vous dire où est sorti son album. Donc c'est l'album Les Tentations. Je crois que c'est son album le plus connu. Attendez, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est le plus connu. Il est sorti, ah oui, quand même ça date, le 21 mai 1997, voilà, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Et je l'ai j'ai écouté l'album il y a vraiment, je crois, il y a un mois, deux mois. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et il y a plusieurs titres que j'ai retenus. Et surtout celui-là que je vous fais écouter. Et vous le voyez, c'est le quatrième titre de son album Les Tentations. Et c'est le titre Je zappe et je mate. C'est parti, Passy, Je zappe et je mate, bonne écoute. Câblé sur télé, l'image de son sur mes specs. Les programmes, je bête, les directs, je m'injecte. Je suis un enfant de la télé, fonce de rediffuser. Flashback dans le passé, conditionné, barbé. Aux sagas, les séries et au bang bang à l'américaine. Starsky, Star Trek et tout ce qui engraine. Pose une question pour un champion, parle-moi à l'émission. Argo, Margot, je connais les ragots, je suis barjo comme Colombo, comme un lundi. Un samedi mat ou le jour du Seigneur. Je suis à téléphile, au-delà du réel, télécommandant chez les zappeurs. À cause de leur bêtise, mon crâne est tabou en culture pub dans les films. Je veux du feu, l'amour et de l'aventure. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4. Je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les combis. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les combis. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. La 2, télé allumée, même sous la couette, elle m'appelle. 19h, je suis avec elle, comme un minuit ou 14h. Quand je me lève en jogging, je veux des maths à bonheur. Marié, deux enfants, faire du télé-shopping. Moi, j'ai un peu au melon, des pompes en cuir à papa connu comme Cousteau. Je veux des jumeaux, des cuts, j'ai un cause bichot. Mon chien sera Scooby-Doo et se tapera la scie. Les histoires naturelles, dans ma maison, dans la prairie. Placer ma famille en or, oh, dans la pyramide. Sortir de la zone interdite et des histoires stupides. Un beau cabriolet d'amour, gloire et beauté. Oui, je suis matérialiste, je veux ce que je vois dans le poste. Les couleurs de mon pays, sagacité, m'ont trop traîné au poste. Je lance la roue de la fortune, j'ai ma chance dans la chanson. Mes lettres valent du chiffre, je hais les artistes à 2 francs. Facile à chanter, tocard, je mets ton clip sur le boulevard. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les combis. Beaucoup d'argent, de guerre, de sexe à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe.
syndrome du canapé. Troisième mi-temps, tout le sport, je suis fou de téléfoot. Je suis la télé le dimanche, l'équipe du dimanche me branche. Gère dans la marche du siècle, parle-moi de capital. Y'a trop de bluff dans nos pages, des magazines, les reportages. Tout est possible, manipuler ce projecteur, contrôlé à la télé et nulle part ailleurs. T'y crois pas sans aucun doute, ça se discute, taratata, j'abats les masses. Bute l'image qui percute. Oui, l'audimat n'est qu'une histoire de genre. Gag vidéo, moi je suis pas un guignol du flash info. Sors ton œil du cyclone, t'as perdu de vue le vrai du faux. Quand tous les médias bosseront bien, je serai témoin numéro 1. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, en sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, en sont les complices. Survolté comme un taureau fou, j'ai le syndrome du canapé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, en sont les complices. Y'a trop d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, en sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Voilà, c'était Je zappe et je mate de Passy. Excusez-moi, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est dans son album Les Tentations et c'est la quatrième track de son album. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur... Excusez-moi, purée de sa mère. C'est bon, je suis de retour. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Lorenzo, rien à branler, vous aura plu. Voilà. J'ai essayé de vous donner mon avis en même temps de vous présenter le CD, voilà, parce que ça me tenait à cœur de vous le faire. Et maintenant, comme vous le savez, pour pas que la vidéo ait un timecode de 40 minutes, je vous parle juste de ce que j'ai pensé de l'album, etc. Voilà, donc j'espère, même si je dis plus les trucs que je disais avant, ça vous plaît quand même, voilà, ça vous satisfait autant qu'avant. Alors attendez, juste, je range le CD de Passy, Les Tentations, et je vous... fait l'outro magnifique, voilà. Donc de toute façon, si je vous manque déjà, mais je pense pas que ce soit le cas, on se retrouve de toute façon demain pour la vidéo sur Dawzy Architect. Attendez, bah, vous savez quoi, je vais vous la mettre en fond. Attendez, je dézoome. Attendez, et maintenant, voilà, je vous prépare pour demain. Voilà, voilà. Donc demain, il y aura la vidéo sur Dawzy Architect. Je sais pas à quelle heure elle va sortir, mais en tout cas, c'est sûr, je vais la sortir demain. Parce que samedi, il y aura la vidéo sur Kiki Sai, sinon ça va niquer tout le planning. Et j'ai pas... Déjà que j'ai niqué la vidéo d'hier, donc j'ai pas envie de niquer celle d'aujourd'hui. Enfin, celle de demain. Donc demain, vous avez la vidéo sur Dawzy Architect. Et samedi, la vidéo sur... vous avez mon avis sur Kiki Sai, voilà. Et la semaine prochaine, Bouscapé, etc. Tu connais les bails MDR. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Lorenzo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu. Si jamais vous dislikez, si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez en commentaire pourquoi. Ça m'aide vraiment beaucoup. Ou venez me dire sur mon Instagram en privé qui est Raoul Cocas. On est 168 abonnés. C'est magnifique. J'aurais jamais cru pour moi on allait arriver aux 100 abonnés à la fin d'année 2020. Pas du tout. On est déjà aux 168 abonnés. C'est un truc de ouf, les gars. Vous êtes les meilleurs. Je sais pas comment vous le dire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et prenez soin de vous. À demain.